Yup, 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 mais nounou, c'est tonton Tony qu'on est sur Rise, Tomb Raider, pas Rise, Shadow. Je commence bien, bah si vous l'entendez à ma voix, je suis malade. Donc bah je profite d'être chez moi pour essayer d'avancer un petit peu. Bon, j'avais une crypte ici, j'ai vu sur la carte. Il semblait que je l'avais fait. Là. Ah ouais, alors c'est que j'avais besoin du fusil à pompe. D'accord. Je sais pas est-ce qu'on peut trouver ça, moi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait aussi ça, les barils de pétrole à faire péter de partout là. Faut juste que je les trouve. Pour qu'ils flottent dans le coin là. Ça, il me semble que je l'avais vu. Ouais. Ah ouais. Je vois pas. Ah si, là. J'ai jeté un petit coup d'œil dans les compétences, mais je crois que j'avais tout dépensé. Ouais. Yes, oui, pauvre. Inventaire. Je peux améliorer encore des trucs. Et on va voir l'arc. Non. Il fait super mal, celui-là. C'est celui-là qu'il faut que je prenne. Clic. Amélioration. Si je peux. Précision. Oh punaise. C'est pas la même. Et ça, c'est quoi la cadence de tir? Ah non, on va foutre la précision. Classe. Allez. Poum. Tu vas me plaire, toi. Dans les fusils. Pardon, chaque fois je vais appuyer sur X, mais c'est carré. Non, on peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'il me faudra? Pétage de boulon. Ok. Et ben voilà. Continuons, surtout qu'il y a pas mal de choses dans le coin quand même. Notamment là. Une petite fresque, et c'est quoi en dessous? Un marchand. Ouais, peut me plaire. Bon, faut toujours regarder pour les bidons à péter. Ah, j'étais déjà allé là. Je me rappelle. On va passer par là. Un truc planqué ça non? Non. Alors. Voilà. Yeah. C'est la même. Niet. Excusez-moi, je vais souvent renifler et tout. Hein. C'est une horreur, mais c'est moi le premier emmerdé. Voilà. Jonah, wow. J'ai trouvé des ruines Inca, mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes. Oui. Abby se rappelle où elle a vu ce symbole. C'est quelque part à l'intérieur du temple. Super.
Dis-lui merci de ma part. Je t'entends. Tu peux me remercier en cassant rien du tout. Lol. Ah pardon, je t'ai coupé le sifflet. Tout de suite, Lara. Et voilà. Ah, j'ai récupéré un petit bonbon, c'est cool. Et donc le marchand, c'était... Qu'est-ce qu'il vendait le marchand déjà? Hello. Quelque chose vous plaît? Ah bah oui, carrément. J'ai plus que 639, ouais, je m'étais déjà fait plaisir. Ok. Ah, et puis il y a quelqu'un qui essaye de me joindre. Bon. Revenez me voir quand vous voulez. Ah, excusez-moi, je vais faire une mini pause, je vais appeler, et puis bah, je vais vous reprendre de suite. C'est fait. Pff, c'était pour de la connerie de pub en plus. Des fois, on se demande comment ils ont votre numéro, hein, je vous jure. Bon, c'est simple, chez moi, j'ai débranché le fixe. Hein. Plus rien à péter du fixe. Il y a pas mal de petites caches quand même. Bref, quoique. Je me tâte. Je vais choper déjà les deux petits trucs. On va faire ça. Je sais plus exactement dans ma vision spatial quels objets je peux voir et pas voir. Des ruines. Un petit feu de camp aussi, cool. C'était juste histoire de le synchroniser. Tiens. Alors, non, c'est l'opposite. C'est un bidon qu'on peut faire péter, ça, mais est-ce que ça fait partie... On est loin, quand même, non? Non, peut-être pas. Ah, si, ça en fait partie, cool. Donc, on n'est plus très loin. Oh. Alors, faut que ça vide ou bressoule mes papates. Ouais, c'est là. Ok, pour celle-là. Un petit truc de flotte ici. Le bidon, il est là. Cool. Ouais, défi réussi. Ouais, mais il y a une forme verte. Mais seulement un petit point maintenant, ça va pas me suffire. J'ai l'impression que c'est tout droit. Oh, d'accord. Faut que je fasse gaffe quand même, parce qu'il n'y a pas trop d'animaux qui viennent m'agresser. Mais... Je sais pas trop. Je reconnais vaguement le dialecte, mais ça colle pas. Je me perfectionne. Je pense à chasser aussi un de ces quatre, mais pour l'instant, je suis encore assez faible. Ça vibre, voilà. Emballé. Bon, on peut se barrer. Oh non, je vais pas tuer un ch'ti lapin quand même. Enfin, pas pour le moment. Ok, bon bah on va dans le temple. Hein. On va se faire plaisir.
C'est bien par là. Hein. J'ai fait le tour. Oh, en même temps, on remarque qu'il y a un petit document à choper. Où est-ce qu'il est capable? Hop! De ma conne. Cuidado, señorita. Tenga más cuidado. Ah, ce serait là. Yes. Une grotte hantée. Ça raconte l'histoire de grottes de la région qu'on dit hantées. Des bruits étranges y surgissent des entrailles de la terre. Aucun de ceux qui y ont pénétré n'en est jamais revenu. Dommage. Des bruits mystérieux, à mi-chemin entre le grondement du tonnerre et une meute de chiens hurlant à la mort. Et une mystérieuse lumière qui en émane. Ouais, en effet, c'est pas très rassurant. Sincèrement, j'ai des bons produits, si ça vous intéresse. J'ai des bons produits dans ma petite boutique. Alors, ouais. Hey, ça semblait plus grand vu de l'extérieur. Qu'est-ce que t'as fait? Jonah, regarde. Ishell et Shakshell, les jumelles se retrouvent. Qu'est-ce que c'est? Lara! Quoi? Abby a dit qu'on ne devait rien casser. Je casse rien du tout. Je restaure l'original. Quelqu'un a tenté de le dissimuler. Les jumelles se retrouvent. Avant de suivre la voie des vivants. Quelqu'un y a touché. Comme cette... cette chose au Mexique. Ça doit conduire au temple de la vie. Vas-y, je reste ici. Je trouverai peut-être quelque chose. Bonne idée. Heureusement qu'il y avait un mécanisme, parce que sinon je me suis dit, bah y'a un peu plus... T'as de l'envie quand même de ça, d'ouvrir des grosses portes comme ça. Les jumelles, la vie et la mort. Jonah, j'ai trouvé un temple. Super. Oh. C'est pas vrai. Les trinitaires sont déjà là, ils essayent d'entrer à l'explosif. Je vais essayer de les suivre. Bande de sauvages. Trop la casse. Au père. On peut foutre la vision sous l'eau aussi. Ça, c'est cool. Alors. Oh, une petite cage de survie juste sous mes pieds. Que j'ai amélioré mon apnée aussi. Pas de plantes à récup et tout. Hop là, j'en ai eu. Comment on peut baver, mais comme un fou sur les images. Ça m'avait manqué. Mais jouer avec de la fièvre, j'ai déjà fait, c'est quand même pas top. Alors... J'avoue que là, je me suis laissé un ou deux jours. Avant-poste, quel est votre statut? Faire
Opération loup solitaire en cours. Camion en route. Pourquoi on s'affole d'un coup? Docteur Dominguez est au Pérou. C'est suffisant comme raison. D'accord, commandant. Désolé, chef. Je me répète, mais quel bonheur de pouvoir nager librement. Comment ils ont pu supprimer ça dans les anciens, quoi. Yes. C'est du meilleur port de passage, je sais quoi. Oh. Ces drones étaient super lourds, bizarrement. Les coupants, mais le bateau a l'air ok. Content de vous voir. On a un problème. Le générateur encore ? Je vais voir. C'est moi qui joue. Il voudrait qu'on aille fouiller sous l'eau. Il veut qu'on aille fouiller partout. Allez, track. Quand tu plonges, au moins, il est tard. Apparemment, on vient plus vite de lancer des drones sous-marins. Allez, ils sont deux. Le commandant va nous remettre sur la bonne voie. Les ennemis en rouge sont quoi? Merde, j'ai pas vu. Ah, sont armés peut-être. C'est peut-être ça tout simplement. C'est ici la poste du quai. Ils sont plus bas sur la rivière. Et bien les forts. Je vous recontacte pour plus quelque chose. Terminé. Personne n'a eu. J'espère. Est-ce qu'ils sont les autres cons? Bon, on reprend les couilles. Tu peux me dire ce qui se passe à Port-Venir? Comment je suis censé savoir? On n'a pas réussi à les joindre. Toujours pas? Ça fait plus d'une heure. C'est quoi ce bordel? Je sais pas. Et tu D'accord. sais quoi? Parce qu'on n'a pas réussi à les joindre. Je choque quand il est jaune. Merde! Bon bah dommage pour la poche furtive. On va repartir du déb. Du coup ils sont très 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 énervés. Tu vas souffrir quand je te mettrai la main dessus. Bon, on verra ça mon pépère. Déjà faudrait que tu m'attrapes pas. Qu'est-ce que je fous? C'est pas sûr qu'on puisse les avoir furtivement maintenant. Quand ils sont speed comme ça, c'est mort. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai un petit gun quand même qui est pas dégueu. Un petit tir à la tête. Ah ouais, je peux faire beaucoup mieux. Ah, c'est 40 d'XP avec ça, cool. Par contre, je tue des mecs, mais j'ai pas récupéré leur stuff. Est-ce que je peux les fouiller sous l'eau? Ah bah non, je crois pas. Ah, c'est dommage ça. Bon. Tant pis, je vais m'y faire. M'énerver encore plus si tu m'obliges à te chercher partout.
Poum. Ouh. Le petit 185 d'XP. Comment kiffer, plaise celui-là. Se concentrer. Et c'est de la ressource dans le coin. J'ai pas assez de place pour ça. Ok, je suis full. Je pense que le passage est par là. Ouais. Hop, 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 hop. Il y a du duck et tout. Ce qui est le duck. Ça, c'est la bon. Promesse de Dieu à Noé de ne plus jamais détruire le monde tient peut-être du fait que le Seigneur considérait que l'humanité avait appris sa leçon. Mais est-ce vraiment le cas? Cet épisode peut également être compris d'une autre manière. Dieu a mis sa puissance destructrice entre nos mains. Nous sommes dorénavant responsables de chaque âme et elles sont aujourd'hui souillées et mises à rude épreuve. Cela fait maintenant 4000 ans que le monde n'a pas connu la pureté, et nous allons changer cela. Nous allons construire un monde nouveau. Nous paverons la voie vers les cieux pour tous les hommes. Nous allons précipiter la fin de cette ère de... Ouais, vous êtes chaud quand même, les gars. C'est sous la flotte, apparemment. Et ce serait... à ma droite. Et c'est là, paf. Ok, allez. J'en ai 14 des flèches. C'était quand déjà pour... Ah là, c'est ça. R2. R5, allez. Emballé. Lara, est-ce que ça va? Oui, il y a une base des Trinitaires ici. Abby, je vais t'expliquer. Je te rappelle plus tard, Lara. Surtout, reste prudente. Moi, ouais, toujours. Les Trinitaires sont vraiment à cran. Alors, compétences. Si ils sont ici, c'est qu'ils ont de l'avance sur nous. Et ça veut dire que je suis sur la bonne voie, je crois. Si Dominguez a raison et que le soleil meurt, je dois à tout prix trouver cette boîte avant lui. Des chances de trouver des animoires. Oh, ça serait intéressant, mais pour plus tard. Vision de la chouette. Bien plus longtemps après que Lara s'est mise en surbrillance. Les ennemis, les ressources et les objets. Ah, ouais, c'est ça qu'il me faut. Ah oui, mais ce qu'il y a, le niveau de difficulté, je sais pas sûr. Est-ce que je suis à l'état sauvage? Ça, c'est 3 points. Capacité de... Oh, ouais. Détecter les ennemis. Ça, je vais prendre. Ok. La jeune Croft est plus active et moins cérébrale que son père. Même si elle a hérité de son intelligence, elle s'intéresse moins que lui à la signification et à l'histoire des artefacts qu'elle recherche. En revanche, elle prend plus facilement des risques. Eh ouais. Sans enfant ni attache, elle est libre de poursuivre ses objectifs jusqu'à l'obsession, ce qui pourrait laisser croire parfois qu'elle est impulsive ou imprévisible. Pour autant,
Sa volonté et son caractère la rendent influençable, dans le sens où elle voudra toujours relever de plus grands défis avec une forte probabilité de succès. Toute information qu'elle détiendrait et que Richard Croft pourrait avoir cachée au Trinitaire serait un avantage. Elle ferait une excellente recrue. Ouh, dans tes rêves. J'ai juste un petit peu d'étoile dans le monde, les gars. On se calme. Perso. Tu sais pourquoi on verrouille tout comme ça? Parce que le commandant Rourke veut qu'on boucle le périmètre. Personne entre, personne sort. J'avais compris, du con. Je te demande pourquoi. C'est trop classifié pour moi. Quand les éclaireurs seront là, ils pourront peut-être nous dire quelque chose. Voilà. Alors... on est parti en mode Rambo. Encore un doc. Rapport sur les activités à l'attention du docteur Dominguez. Site des fouilles. Rivière Marazuni, Guyana. 5.816.587 -59.468.158. Avons découvert des éléments confirmant l'hypothèse de la migration des Mayas. Les recherches ultérieures n'ont en revanche rien donné. Mesures prises, le site a été englouti... Ok, ouais, j'ai réussi à lire. Ouais, j'ai réussi à lire, tu sais, ça y est, j'ai appris à lire, je suis trop fort. En venir, ici le commandant Rourke. Vous avez bouclé la zone ? Prends-toi. Le tunnel, là. C'est presque fait. Tous les points d'accès sont couverts et la plupart des barricades sont en place. Presque, c'est pas assez. Dépêchez-vous de sécuriser le périmètre. Je veux que rien ne puisse passer. Compris, chef. Si je puis me permettre, chef, qu'est-ce qui se passe? Les éclaireurs sont en route. Rourke, terminé. Premier sang. Ils sont descendus à combien? Il bouge pas, lui. Parce que l'autre, il le voit là-bas. Mais quel cauchemar. Faut qu'on reste optimiste. Ils sont peut-être pas morts. Au-dessus. Ils sont descendus et jamais remontés? Non. D'accord. Est-ce qu'on a la moindre idée de ce qui a pu se passer au moment où on a perdu le contact? C'est sans pitié. En même temps... apparemment, ils ont décimé pas mal de monde, donc on va pas trop les plaindre. Mais tous les deux, ils sont en rouge. On va remonter, on va voir si on peut pas avoir une approche du haut. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ils sont collés, les machins. On devrait pas envoyer quelqu'un à leur recherche. Rourke a été clair. Pas de recherche tant que les éclaireurs seront pas là. Mais ça fait presque une heure qu'on n'a plus de nouvelles. Le commandant abandonnerait pas ses hommes. S'il veut qu'on attende en haut, c'est qu'il a une bonne raison. Ah, ils bougeront pas. Hein. Je crois que je vais pas avoir le choix. Ça va être l'affrontement. Mais d'en haut, en même temps, là, je suis pas mal. Je comprends vraiment pas ce qui a pu se passer. Merde! Putain de fils de pute. Ah, il s'est décalé juste au dernier moment, je suis vert. Et où l'autre, je vois pas.
Où est-ce que je l'ai dégommé? Il devrait être en jaune. Faut croire qu'il avait rien sur lui, je sais pas. Bizarre. Autant qu'être je... Ok, le périmètre est verrouillé. On n'a plus qu'à attendre l'équipe de reconnaissance. Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi? Il s'est passé un truc sous terre, mais on se retranche pour combattre une menace ici. Ça a l'air assez classique. Ils ont eu un problème, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais bon, on tient quand même le temple. Ouais, je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on est passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout. On s'excite pour rien depuis cette horrible tempête. Est-ce que je peux passer? Je suis toujours Keplan. Alors... Tu crois qu'il s'est passé quoi ici? On sécurise la zone. Quelqu'un a l'air d'avoir cru à une attaque. Par quoi? Y a rien du tout là-dedans. C'est bien sûr ça. On cherchait quelque chose. Ils l'ont peut-être trouvé, mais c'était pas ce qu'on pensait. Est-ce que je peux aller par là? Dommage, j'aurais pu le choper dans les forêts, celui-là. Va peut-être attendre 2 secondes. Qu'il revienne, qu'il fasse sa petite ronde. On va laisser faire les éclaireurs. Ouais. Va par là, toi. Hop. Je deviens complètement dingue. J'adore. Fait en retente à l'arc. Un effondrement. Chaise musicale. Je vois pas le rapport. Il dit qu'il voit pas le rapport. Moi, je suis debout, Jonah, j'ai buté le tout. Le commandant Rourke est ici, au Pérou. Il a demandé aux Trinitaires de surveiller un site de fouille sous un vieux puits de pétrole. Tu vas aller jeter un coup d'œil? Oui, je vais voir ce qu'ils ont trouvé. Rourke était à Cozumel. Pardon. Quand Dominguez a pris la dague, ils ont dû découvrir comment accéder à la cité perdue. Y a pas de ressources à choper, quelque chose. Yet. Explorer le site de fouille des Trinitaires. J'en ai marre de parler du pif, c'est juste une horreur. C'est une vraie boucherie ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des Trinitaires, ça? Oh putain. Alors, comme par hasard, je peux faire des flèches enflammées. On va se méfier là. Wow! Que si c'est les Trinitaires qui se sont fait lyncher là, ça me rassure pas plus. Qu'est-ce que je fais? Je m'en fais 3 à chaque fois, c'est cool. Hein. Je peux en faire quelques-unes quand même. Parce que ça me fait qu'une flèche de feu à chaque fois. J'en ai 4, on va rester comme ça. Les petits trucs là. À l'attention du docteur Dominguez, avons peut-être découvert l'entrée du temple non loin de Kouakiaku. Les équipements de fouilles sont en chemin. J'ai vu l'autre qui est là.
Y a plus grand chose à découvrir, c'est cool. Ouais, de toute façon, je crois que j'ai pas trop le choix. Attention au piège. Trop le choix. Ah, l'ambiance. Yes. Boy, boy, boy. Ça semble 17%. Ça monte, ça monte. Jonah, je suis à l'intérieur du temple. Je crois qu'on a aussi trouvé un truc. Je le sens pas. Les chiffres. Je vais essayer de nettoyer ça. Je le sens pas. On peut se péter, ça. Ça a l'air un peu friable. Trouver un moyen d'ouvrir la porte. Yes, petite énigme. Alors. Les chiffres sur les piliers rappellent la première moitié d'une date. Ischel sur la gauche, Shakshel sur la droite. Ischel et Shakshel. Et on a des trucs là. Ah. Symbole, je sais pas. Si on s'aligne, ouais, ça va. Je me dis que ça va péter. Alors, observons un peu mieux. Quelles sont les différences? J'en vois pas trop. Ah. Oh punaise. Alors, nous avons trois pièces par ici et un petit bâton à droite. Ok, merci. La solution ultime, ce serait ça.
pièce à gauche et trois petits points à droite. Oh! Reste calme. C'est bon? On tente? J'en étais sûr. Je me suis bien planté. Bon, pas de panique à bord. Le fun et la musique d'abord. La pièce est à gauche, ça, ça va. Ça a l'air d'être bon. Et donc de l'autre côté, il faut deux pièces et trois petits poids au-dessus. Yes. Un des petits jeux gratoches du mois. Alors deux pièces, trois petits points. Un petit point, un point, quatre points. D'accord. Bon, on va se la tenter. Et voilà. Ah. Encore une porte. Ça doit cacher quelque chose. Je ne sens pas. C'est la merde. Ah. Bon, alors de l'autre côté, il y a quoi? Trois pièces. Les enfoirés, il y a que trois emplacements là. Ah putain, il va falloir faire des tests. Oh là là. Un coup de peau quoi. 4 en haut, un petit point en dessous. D'accord. Alors le dernier. On sait quoi. Donc bah, on va faire des tests. Allez, c'est parti. On essaye déjà comme ça. Et à mon avis, ça va foirer. C'est clair. Allez, cours, cours, cours. C'est bon. Non. Et 4 points. Pourquoi tu cours pas quand c'est comme ça? Tu me stresses.
essaye le petit 2 comme ça. Ouais, le petit 2. J'ai pas de chance. C'est le dernier là. Ah, peut-être pas, peut-être l'avant. Peut-être l'avant-dernier. Je ne sais point. Je ne sais plus. Je suis un peu perdu. Allez, ouvre-toi. Oui, c'est bon. Hé, hey, Jonah, comment ça se présente? Oh! Il y a une date incomplète et une représentation de chaque shell. J'ai deux dates ici. Et Ishell. Je crois que j'ai vu la date de gauche quelque part. C'est pas vrai, c'est encore... Oh putain. Un autre endroit là qu'on... Et là, c'est peut-être un mix des deux. On sait rien. Oh la galère. Carrément un truc en plus quoi. Oh. Y a pas de truc avec seulement un petit point et un os au-dessus. De l'autre côté. Attends, attends, attends. Il n'y a pas de truc au plafond. Sur les murs. Je peux pas passer dans le petit trou là? Apparemment non. Il n'y a rien à regarder à l'intérieur. Non. Wouh! Ok. Dans ta gueule, toi, non, y'a rien. Ah, ouch. Ok, génial, trop bien. Comment je vais faire? Voilà, par fouiller. Je vais faire tous les tests, ça va être longué, lourd. Oh là là. Si je fous que des petites pièces. Ok, Jonah. C'est quoi le dernier chiffre pour chaque shell? Une ligne en travers, deux points en haut. 7, je dirais. Merci. Sept.
sauter comme ça. Oh, c'était ça. Voilà. Merci, Jonah. Attends. Et derrière ça. Rien. Ok, ok. Ça aurait pu, hein. Jonah ? Salut Lara, c'est Abby. Oh, salut Abby. J'ai trouvé une fresque. On dirait que ça représente une sorte de voyage. Entrer dans la gueule du jaguar et suivre un serpent vers un œil d'argent. Et puis on voit aussi une araignée et un aigle qui s'envole vers un temple. Ok, je sais pas pour le reste, mais la gueule du jaguar, c'est par ici. Vraiment ? Ouais, une sculpture de chat avec de grandes dents. Ah, voilà Jonah. Lara, est-ce que ça va ? Oui, je ressors là. Parfait. C'est le sentier qui mène à la cité perdue. On dirait que ça décrit une série d'épreuves. Entrer dans la gueule d'un jaguar, puis suivre une araignée et un aigle qui montent vers un serpent à l'œil d'argent. Je crois que tu vas aimer ce qu'on a ici. Bah écoutez, je suis sûr qu'on va aimer, mais ce sera sur une autre vidéo. J'ai besoin de faire une petite pause mouche-mouche, pipi, tout ça. Allez, tchuss.